Le marché Saint-Bruno s'installe pour la première fois sur la place en 1886. Il était à cette époque dans la partie jardin, sous des halles, et était uniquement alimentaire. Depuis 1933, d'autres produits y sont vendus, et aujourd'hui, il est à 90% non alimentaire. Il y était à 60% en 1980. Il prend place de 5h à 13h30 tous les jours sauf le lundi. Il y a quelques années, il durait même jusqu'à 20h le vendredi. Les stands les premiers à s'installer sont les stands alimentaires car ils ont beaucoup de manutention. Ils s'installent sur la ceinture du marché car comme ils rangent en dernier, ils ne perturbent ainsi pas le nettoyage qui commence dès 13h, 13h15. Il n'y a pas d'organisation pour les autres stands. Les 80% d'abonnés prennent chaque jour la même place. Les 20% restants de forains non abonnés tirent leur place au sort grâce au placier. Le marché est un moment de grande mixité. On y croise des personnes de tous âges, de toutes origines et de toutes catégories sociales. C'est un espace où tout le monde semble bien s'accepter, sans heurts, même si chaque personne fréquente le marché à sa manière. Les anciens viennent en général plus tôt et parcourent le marché de manière méthodique. Ils comparent les prix. Ils restent parfois plus d'une heure. Il semble que plus on soit jeune et moins de temps l'on reste au marché. Les plus jeunes vont même parfois uniquement pour un stand qu'ils connaissent. Il est difficile d'expliquer les raisons profondes de cette mixité, au-delà des raisons qui poussent les gens en général à fréquenter les marchés. L'atmosphère qui les règne, la proximité avec les producteurs et les vendeurs. Cependant, quelques éléments peuvent être avancés pour ce qui concerne Saint-Bruno. Tout d'abord, la variété des produits vendus. Des vêtements neufs aux fripes, en passant par les matelas, les parfums, les produits cosmétiques, les produits d'entretien, il y en a pour tous les goûts, et à tout prix. Le marché Saint-Bruno est réputé comme lieu où on peut faire de bonnes affaires. Aussi, le mystère sur la provenance des produits est un élément qui attise la curiosité. Sont-ils réellement, comme on le dit parfois, tombés du camion, ou simplement issus de déstockage? Quoi qu'il en soit, ces produits ne sont pas présents dans les autres marchés de la ville, notamment celui qui se situe à 400 mètres de Saint-Bruno, l'Estacade. Ce dernier est un marché de producteurs uniquement alimentaires. Ce qui est trop cher ou qu'on ne trouve pas là, on l'achète à Saint-Bruno. Beaucoup de gens fréquentent alors les deux marchés pour leur complémentarité. Les trottoirs de la rue Nicolas-Chaurier, qui lie les deux marchés, sont d'ailleurs très animés les week-ends de beau temps. Enfin, Saint-Bruno possède une place centrale dans l'agglomération. C'est un endroit bien desservi par les transports en commun et au cœur d'un quartier où le parking est gratuit. Les rues alentour du marché, et notamment celles qui mènent au tramway, deviennent le week-end des rues piétonnes. C'est entre 11h et 13h30 que Saint-Bruno est le plus fréquenté, les week-ends de beau temps surtout. On ne peut pas en dire autant les jours de pluie ou durant la semaine, où le marché est beaucoup plus épars et beaucoup moins fréquenté. Il ne procure pas les mêmes riches interactions sociales. Mais les habitués s'y retrouvent tout de même. Les allées peu larges forcent alors les rencontres et peu importe qui l'on soit, dans le marché, on doit se frotter à tout le monde. La largeur des allées est pour cela riche de situations et d'interactions sociales. Elles font moins de 2,50 m et quand les stands sont installés, il est difficile de se tenir à plus de 3 de front. Pour se croiser, se doubler et laisser passer une poussette, on échange des regards et des paroles. Cette proximité permet d'entrer en contact avec des inconnus. On se fait des signes, on échange aussi sur les produits. Tout cela participe grandement à créer la cohue, l'ambiance propre au marché. Une partie de ce brassage social unique est une de ses grandes richesses. Mais ce n'est pas la seule vertu de l'étroitesse de ses allées. Ce gabarit étroit donne aux stands des commerçants une grande visibilité. Comme on n'est souvent que deux côte à côte, on passe alors obligatoirement devant tous les stands. Cette configuration oblige aussi à la lenteur. On a alors tout le temps de regarder les étals. Si quelqu'un devant nous s'arrête, on est obligé de s'arrêter aussi. Mais bien souvent, les gens s'arrêtent plus par mimétisme que par obligation. Comme le montrent ces images, où 30 secondes plus tôt, le stand était complètement vide, puis quelqu'un s'y est arrêté. Les passants suivants sont alors irrésistiblement attirés par ce que regardent les autres. On s'arrête ou on jette simplement un coup d'œil, comme par réaction en chaîne. On est alors plus tenté par l'achat. Les commerçants l'ont d'ailleurs bien compris. Pour attirer d'éventuels clients, ils usent d'autres techniques. Le son en est une importante. Plusieurs marchands se créent une phrase qu'ils répètent de manière régulière et qui les identifie. Plus que de donner des informations sur les marchandises qu'ils vendent, ces signaux sonores attirent. Parfois, il s'agit simplement d'un sifflement. Ces phrases et ces signaux sont répétés toutes les 30 à 40 secondes. Et les commerçants, là aussi par réaction en chaîne, se répondent les uns les autres. De la même manière, les commerçants agitent leurs marchandises pour attirer les clients. Les zones du marché où ces deux choses se pratiquent sont souvent très animées et fréquentées.
Ces deux techniques sont aussi mises à profit par les démonstrateurs qui attirent toujours au moins 15 à 20 personnes. Là aussi, à la fin de la démonstration, il suffit qu'une personne se décide à acheter pour que 4, 5, 6 autres suivent juste après. Les entrées sont aussi un des points les plus importants du marché. Il est quasiment impossible de rentrer dans le marché ailleurs que par les 4 entrées formées par les camions. Cette disposition est volontaire et essentielle pour les commerçants. C'est le cocon du marché. Tout d'abord, elle protège le marché des passages rapides d'éventuels voleurs. Mais cette disposition force aussi à ralentir le rythme de la marche. Elle oblige en quelque sorte les usagers à se mettre dans un rythme lent qui est celui du marché, de la flânerie et peut-être de l'achat. Il s'agit aussi d'une question pratique pour les commerçants qui se servent des camions comme d'une réserve et même parfois comme cabine d'essayage. Les entrées très formalisées du marché sont aussi les espaces les plus en lien avec l'extérieur. Il en existe 4 principales. Il y a celle vers le parc, qui nous le verrons après permet une complémentarité entre les deux lieux, parc et marché, celle vers l'estacade et le centre-ville, beaucoup de gens passent. Enfin, il y a la plus grande entrée, celle face à l'église. Elle est située près d'un café et d'autres commerces de la place. Elle donne aussi sur la rue qui va au tramway. C'est une zone de rencontre, de rendez-vous très animée. Les cyclistes sont obligés ici de poser pied à terre. Mais sur ces images, elle paraît très calme, car filmée au moment du ramadan. Les terrasses des cafés et entrées des commerces et marchés sont un fort lieu de socialisation majoritairement masculin. Alors qu'il y a beaucoup de femmes à l'intérieur du marché et dans le parc, peu fréquentent les terrasses. Mais depuis peu, la tendance change. De nombreuses femmes cuisinent directement sur les terrasses et vendent leurs galettes au marché. La terrasse du restaurant asiatique est aussi un espace plus mixte. Puis vient l'heure du rangement. Le marché se vide par l'ouest, côté parc. C'est par là qu'arrivent les balayeuses et techniciens vers 13h30. Bien souvent le week-end, ils sont obligés d'attendre les commerçants qui vendent jusque tard, car les clients, eux aussi, arrivent tard. Alors, le nettoyage pousse littéralement le marché en avançant vers l'est. La dernière partie à être nettoyée est la ceinture alimentaire. Des produits y sont vendus jusqu'à 14h. Les techniciens forment alors 4 énormes tas de déchets qui parfois s'envolent au vent et partent dans Grenoble. Pour éviter cela, et éviter que leurs machines ne soient endommagées, les techniciens inondent la place les jours de forte chaleur. L'eau coule pendant près de 45 minutes, et la place se transforme en grand miroir d'eau. Mais si cela crée une scène urbaine unique, cette situation donne aussi l'impression d'un grand gaspillage, qui nuit peut-être à la réputation du marché. Même si Saint-Bruno n'est pas que le marché, il participe pour beaucoup à l'image vivante et animée du quartier, et beaucoup ne pratiquent Saint-Bruno que par le marché. Mais il possède une économie fragile. La rencontre avec certains professionnels ou usagers m'a aidé à comprendre les enjeux qui pèsent sur cet espace. Beaucoup de discours portent une vision nostalgique du marché. C'était mieux avant, les produits étaient de meilleure qualité, il y avait plus d'alimentaire, il y avait plus de monde. Fondées ou non, ces remarques traduisent un sentiment d'attachement au marché et une réelle volonté de le voir évoluer et perdurer. Son économie est fortement en lien avec la forme de l'espace urbain. Si celui-ci est modifié et met à mal son organisation, tout peut aller très vite. Cependant, et comme le disent de nombreux forains et le placier, il doit se réinventer et se réadapter à sa clientèle pour ne pas disparaître. S'il se transforme, une des premières choses à considérer est donc sa forme. Le gabarit et la fonction de ses allées et des entrées est à conserver à tout prix. Elles forment l'essence même de ce qu'il est, mixité sociale, rythme. Mais les entrées pourraient être gérées par d'autres procédés que celles des camions, comme cela se fait aujourd'hui du côté parc par exemple. Attention toutefois à ne pas trop éloigner les camions du marché, qu'ils restent facilement praticables et accessibles par les forains. Une des autres questions importantes est la question des horaires. Ne serait-il pas possible de passer à un marché de fin d'après-midi, début de soirée en semaine? Celui-ci serait alors plus adapté au rythme de la vie des clients qui, aujourd'hui, s'ils travaillent, ne peuvent pas venir au marché. De même le week-end. On s'aperçoit que les horaires de haute fréquentation sont celles de la fin de marché, aux alentours de 13h et 13h30. Un décalage d'une heure suffirait alors peut-être. Il est possible d'imaginer dans un premier temps une expérimentation sur un jour de la semaine. Le jeudi par exemple, le marché se tient de 6h à 13h. Pourquoi ne pas essayer de l'établir de 15h à 20h? Commerçants et placiers y semblent favorables. Le nettoyage pose aussi d'autres questions. Quelle gestion des déchets imaginer afin de réduire la consommation d'eau et d'emballage sur le marché?
Une sanction financière ne serait sans doute pas supportable par les commerçants. Comment inciter les commerçants à trier les ordures pendant et à la fin du marché? Peut-on les obliger à aider les techniciens de la place à nettoyer après le marché? L'image des tas d'ordures aux quatre coins de la place chaque jour, au-delà de la propreté urbaine, interroge sur l'impact écologique du marché, quand on sait que le Drac et l'Isère qui se jettent ensuite dans le Rhône ne sont qu'à quelques centaines de mètres. Quant à l'emplacement même du marché, plusieurs pistes sont imaginables. Certains évoquent un rapprochement avec l'estacade par l'arrière de l'église. Je ne suis pas sûr qu'un tel rapprochement avec Saint-Bruno soit bénéfique pour ce marché. L'espace concerné est très complexe, une rue très fréquentée, une entrée de collège. Il est souvent évoqué aussi, par des commerçants et l'union de quartier, un déplacement du marché sous les arbres. Si tel est le cas, il faut veiller, comme pour les terrasses des bars, à ne pas briser la complémentarité établie entre ces deux espaces. Les marchés sont un élément très fort de la ville de Grenoble. Celui-ci, le marché Saint-Bruno, doit peut-être évoluer, mais attention à ne pas le mettre en danger et donc à prendre en compte ses règles et son fonctionnement. Un des autres espaces très complémentaires au marché est le Square Saint-Bruno, partie la plus à l'ouest de la place. C'est un espace vivant pendant le marché de week-end, mais très calme le reste du temps. Les habitants fréquentent d'autres parcs du quartier. Voici des images prises le même après-midi dans trois parcs différents de Chaurier-Berria. Il y a le parc Malliavre, situé à 300 mètres de Saint-Bruno, et le parc Lustucru, situé à 400 mètres au sud de la place. Deux parcs aux pelouses et jeux très animés. Retour à Saint-Bruno, qui reste très calme en après-midi. Ces trois lieux sont pourtant similaires en de nombreux points et riches en aménagements. À Saint-Bruno, on trouve une grande pelouse au soleil, de nombreuses places assises à l'ombre, des aires de jeu. Saint-Bruno possède même un bassin ludique, mais qui malheureusement ne fonctionne plus. Alors pourquoi une telle différence de fréquentation entre les trois parcs et qu'est-ce qui caractérise Saint-Bruno? La rencontre d'usagers, de services de la ville ou d'autres acteurs du quartier nous apprennent que l'état de dégradation de Saint-Bruno, sa réputation de parc mal fréquenté y sont sans doute pour quelque chose. L'observation des trois espaces m'amène aussi à penser que les limites du parc sont un élément très important. L'étude des flux piétons aux heures de marché nous montre que le square est considéré comme une entité fermée. Sur ces séquences de films prises sur différents jours, on remarque que même si les entrées sont ouvertes et paraissent très perméables, les piétons lorsqu'ils transitent pour aller ou revenir du marché traversent peu le parc. Ils s'obligent même à faire un léger détour pour l'éviter. Les barrières, si petites soient-elles, semblent donc donner le code d'un espace différent de la rue, un espace sans traversée, un espace de repos. Ce graphique illustre un comptage réalisé à l'heure de plus fort passage un samedi matin. Il montre le nombre de personnes en transit, choisissant de passer à l'intérieur du parc, représenté en vert, ou à l'extérieur, représenté en bleu. À la lecture des moyennes de passage par minute, le résultat est sans appel, et ce, peu importe si l'on étudie la frange nord ou sud du parc. Mais les barrières ont aussi d'autres effets, moins désirables. Là aussi, la rencontre des usagers nous renseigne sur une de ces curiosités. Pourquoi, à la différence des autres parcs, personne ne pratique la pelouse centrale? La réponse est simple, les chiens en liberté. Suffisamment clos, le square donne le sentiment aux maîtres qu'il est possible de laisser leurs animaux en toute liberté et sans danger. Alors que l'espace canin est minuscule et vide, le parc est très fréquenté par les promeneurs de chiens. A l'inverse, dans l'espace jeu, la majorité des parents qui amènent leurs enfants ne s'en éloignent jamais trop. Ils ne s'assoient que très peu sur les bancs situés pourtant à quelques mètres. En effet, la pelouse inaccessible à cause des chiens et la rue très accessible par de petits portails ne sont qu'à quelques enjambées de jeu. Cela nous emmène à l'autre activité importante du square, s'asseoir. Les pourtours de celui-ci sont très fournis en bancs. On en compte pas moins d'une trentaine tout au long des barrières, parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur. On s'y retrouve, s'y attend, discute de ce que l'on a acheté dans le marché, à l'écart de la cohue de ces allées. Les hommes et les femmes se mélangent peu durant ces heures de haute fréquentation, chacun son côté du parc. En s'intéressant de près à l'occupation de ces bancs, on remarque principalement deux choses. L'intérieur du parc est préféré pour s'asseoir, et les bancs ne sont jamais tous occupés, même quand le parc est très fréquenté. Ce schéma représente l'emplacement et la durée d'assise des personnes sur les bancs. Ce sont les bancs face à la poste et la bibliothèque. En bleu, les bancs extérieurs au parc, dos à ceux-ci et derrière la barrière, représentés en vert, les bancs à l'intérieur du parc.
Si on regarde les courbes de total en bas, on s'aperçoit que le nombre de personnes qui s'assoient dans le parc est bien plus important, alors même que le nombre de bancs y est moins élevé. L'effet parc grâce aux barrières est illustré une nouvelle fois. Deuxièmement, en regardant la distribution du nombre de personnes, on se rend compte alors qu'il est très rare que les bancs situés d'un côté et de l'autre de la barrière soient utilisés en même temps. De même que les bancs côte à côte. On s'assoit rarement dos à dos ou côte à côte. En groupe ou seul, les usagers assis établissent une sorte d'interdistance de confort dans l'usage des bancs. Quand ils sont considérés comme pleins, on va s'asseoir ailleurs dans le parc, sur les marches, les bacs de fleurs, le long des barrières, ou on passe tout simplement son chemin, même s'il reste des bancs de libre. L'offre d'assises sur banc est grande, mais jamais utilisée à 100%. La barrière ne procure pas une séparation assez importante, et les bancs semblent trop proches les uns des autres pour donner une situation confortable, seul ou en groupe pour discuter. Ces barrières et limites de parc sont aussi une des grandes différences entre Saint-Bruno et les autres parcs du quartier. Comme le montrent ces images, elles créent à Malliavre et Lustucru un réel effet de jardin fermé et sont traitées de manière beaucoup plus qualitative. À Saint-Bruno, elles sont de petites limites perméables que l'on enjambe facilement et qui donnent au lieu une de ses fortes caractéristiques. Un parc ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le square devient alors le théâtre de nombreuses activités ouvertes à tous aux heures de marché. La cantine y fait son repas pour tous le samedi et attire un public éclectique pour qui veut manger à prix libre. Des activités pour les enfants y prennent place aussi régulièrement, ainsi que la fête du quartier et la brocante une fois dans l'été. Elle donne au square vie régulièrement, mais finalement de manière très ponctuelle. Vécu comme un parc ombragé, animé comme une place et square, très complémentaire au marché, cet espace ne pourrait-il pas jouer sur ces trois caractéristiques dans son évolution? De nombreuses réflexions de la part d'habitants, commerçants, services municipaux visent aujourd'hui cet espace. L'aire de jeu va être refaite, une concertation a été lancée. Mais si l'on veut y voir plus d'enfants jouer, ne faudrait-il pas améliorer l'effet de sécurité dû aux barrières? Trouver le bon compromis entre une ouverture qui éviterait des chiens en liberté et un espace suffisamment fermé et sécurisé pour les enfants? La réponse se trouve peut-être dans l'espace d'entre-deux-places, les pergolas, un espace aujourd'hui complexe et sombre qui sépare la place en deux. Certaines personnes se posent la question de l'utilité des barrières. Si elles donnent aujourd'hui au square sa contenance et posent quelques problèmes, peut-être peuvent-elles évoluer, faire varier leur hauteur et épaisseur, les créer comme objets multifonctionnels pour s'asseoir et s'adosser, comme cela se fait parfois. La perspective d'une extension du marché à l'ombre des arbres est une idée qui semble réjouir nombre de ses usagers et commerçants. Mais ne faut-il pas faire attention à la complicité qui s'est installée entre ces deux espaces, parc et marché, marché et parc? Certains aimeraient voir le parc évoluer, d'autres l'aiment comme il est. On pourrait peut-être s'inspirer des usages actuels pour le voir changer un peu. Pourquoi ne pas jouer sur la particularité du square, seul parc du quartier ouvert toute la journée pour y développer encore plus d'activités? Le parking commence à s'établir alors que le nettoyage du marché n'est pas encore terminé. Ce sont les habitués qui l'investissent le premier. Ils savent quelles entrées ne sont pas bloquées par les agents de la ville. Il se remplit chaque jour de la même manière, et cela malgré l'absence de marquage spécifique. Une règle d'usage semble s'établir. Du nord vers le sud, de la partie libérée en premier par le marché vers celle libérée en dernier face à l'église. L'interdistance entre les voitures est grande. La largeur des places est bien au-dessus du 2,5 mètres normatif établi partout ailleurs. Cette disposition permet aux piétons une traversée rapide et sans trop de difficultés du parking. On passe facilement entre les voitures. Cerné au nord par le tramway du Corbéria et la gare, des quartiers d'habitation et des espaces verts au sud, le parking est dans l'après-midi rythmé par les traversées d'une grande variété de personnes, voyageurs de la gare, étudiants de l'Europol, familles. En dehors des personnes qui le traversent, se pose la question de l'utilisation de ce parking. Qui se gare ici et pourquoi? Quelle est la vie sociale de cet espace? La réponse a été une surprise. Il s'agissait alors tout d'abord d'analyser le rythme de cet espace afin d'en comprendre le rôle. Ce diagramme illustre le rythme d'arrivée des voitures sur le parking un samedi après-midi.
Fortement contraint par les horaires de marché, le parking n'est pas un parking résident. Il se vide toutes les nuits avant 2 h. Aussi, il se remplit de manière assez linéaire de 14 h à environ 16 h, mais se vide de manière beaucoup plus rythmée. En mettant en relation ce rythme avec celui de la vie des commerces et activités de la place, comme le montre le diagramme, on comprend tout de suite sa corrélation avec le rythme commercial et des activités qui prennent place sur Saint-Bruno, l'ouverture, la fermeture des commerces, la messe, etc. Mais l'usage commercial du parking dépasse aussi les limites de la place. Il devient parking relais du centre-ville, grâce à notamment la proximité du Corbéria et du centre-ville de Grenoble, très commercial. Les gens, comme ceux présents à l'image, sont nombreux. On les reconnaît car ils prennent directement la direction nord de la place, vers le tramway ou le centre-ville. En dehors des activités de deal et de recel qui prennent place bien souvent entre le parc et le parking, l'observation quotidienne de cet espace révèle un usage assez surprenant. Chaque jour, et ce peu importe la météo, de nombreux groupes de discussion se forment sur le parking de la fin du nettoyage au début de la soirée. Le même diagramme que précédemment nous montre la forte corrélation entre la présence de personnes immobiles et en discussion sur le parking, représentée en rouge, et la présence des voitures, représentée en bleu. Cette carte illustre la répartition dans l'espace des groupes de discussion. Le comptage a été réalisé au moment d'usage le plus intensif du parking, entre 17 h 30 et 19 h. En rouge, les discussions prennent place à proximité des voitures. En orange, les discussions prennent place assez loin des voitures, à plus de 30 ou 40 cm. Si la zone où les voitures n'accèdent pas, les terrasses de café, est assez occupée, on voit qu'autant de groupes de discussion sont formés sur le parking. Il est à noter que la partie la plus occupée est celle près des terrasses, toujours au soleil, créant une polarité au nord-est du parking. A l'inverse, lorsque le parking est quasiment vide, après la clôture du marché, peu de personnes s'y arrêtent. Lorsqu'une personne seule ou un petit groupe décide de s'arrêter, il est rare de les voir choisir des espaces vides de la place. Les arrêts s'établissent alors très souvent sur les pourtours ou près de l'un des repères forts de la place, comme le montrent ces images. Le poteau central d'illumination, les potelets et arbres des abords, le transformateur électrique, les pergolas. Nous l'avons vu, quand les voitures sont présentes, c'est elles qui jouent ce rôle de repère. Ce premier point semble alors montrer que la voiture agit comme un point de repère dans un espace constamment en mouvement et parfois entièrement vide. Mais ce n'est pas tout. La voiture a aussi l'avantage d'être à l'échelle du corps humain. Agencée à loisir, elle devient mobilier urbain ultra adapté et adaptable. Regardez ici comme les situations peuvent être multiples en fonction du nombre que l'on est, du temps que l'on reste ou de la météo. Elle devient abri contre la pluie pour discuter assis sur les sièges ou dans le coffre ouvert. Elle permet d'être à trois en position assis debout pour discuter en cercle, mais on peut aussi s'y adosser et combiner les situations. Elle devient même table haute pour les cafés et boissons achetées au bar de la place, qui d'ailleurs produisent spécialement des tasses à café en carton jetable et vendent des canettes. Dans un grand espace en perpétuel mouvement, la voiture amène un repère à l'échelle du corps humain, à l'échelle des groupes de discussion, et très mobile. Regardez comme elle détermine et recompose l'espace de discussion. Si elle se met à bouger, alors le groupe bouge aussi. Ces images témoignent de l'inventivité des usagers pour créer un espace convivial de discussion sur un lieu qui, au départ, ne semble pas spécialement attrayant. Ces situations sont rendues possibles pour deux raisons. La position laissée relativement libre des véhicules est le premier facteur déterminant. En l'absence de marquage ou d'agent de la sécurité publique, on s'installe comme on le souhaite, au plus confortable. La deuxième chose est bien sûr la gratuité. On reste le temps que l'on souhaite. Le tarif est adapté à toutes les situations sociales. D'ailleurs, le public qui fréquente le parking semble assez divers. On y observe des familles, des ouvriers revenant du travail, des personnes précaires. Cependant, la majorité des habitués sont des hommes qui ont entre 30 et 50 ans. La diversité de profils n'est pas si grande que durant les heures de marché. Même s'il ne s'agit pas de la totalité des usagers, une certaine partie des personnes qui fréquentent le parking n'habitent pas ou plus le quartier. Ils viennent en voiture d'autres quartiers de l'agglomération. C'est avant tout, comme le marché, un espace de socialisation. Mais c'est aussi l'occasion de venir faire ses courses sur une place où l'on trouve des produits et commerces adaptés pour une population aux habitudes de vie maghrébines. Une offre commerciale directement héritée d'une période où le quartier, Beria Saint-Bruno, était délaissé par un certain type de population et était devenu le lieu privilégié d'habitants issus de l'immigration.
Le parking est pour tous ces groupes de personnes l'espace où l'on se retrouve, où l'on s'entraide. La voiture peut là encore jouer un rôle fédérateur. On vient parfois prendre des conseils de mécanique ou faire réparer sa voiture. Sans s'y opposer, le parking est aussi un espace convoité par les piétons. Les terrasses poussent parfois les voitures. Par beau temps, pour des concerts, karaokés, réunions d'associations de quartier, on y installe des tables et des chaises. Le ramadan y est aussi célébré et les voitures sont alors reléguées plus au sud à partir de 22 h. Malheureusement, l'organisation spontanée du parking crée aussi quelques conflits d'usage pour les piétons et cyclistes qui ont quelques difficultés à trouver leur place. Comme lors de cette scène où un homme âgé s'est fait renverser par une voiture. Il a bien sûr été rapidement aidé par les personnes se trouvant à proximité. Même si ces incidents sont plutôt rares et se terminent souvent bien, il semble que cette dualité repousse un certain nombre d'usagers à y venir à pied. Quelques usages illicites ont aussi lieu sur le parking à la vue de tous. Aussi, il semble que les relations avec les habitants se passent dans une certaine indifférence. Seulement, ces usagers qui fréquentent la place quotidiennement semblent y exercer un certain contrôle, parfois physiquement, comme le montrent ces images, mais plus généralement, cela se fait par un sentiment de non-appartenance à leur réseau. Un certain sentiment d'insécurité, on ne se sent pas toujours le bienvenu. Il est difficile d'imaginer Saint-Bruno sans son parking pour de nombreuses personnes, d'abord pour la vie des commerces, mais je pense aussi que celui-ci participe fortement à l'image cosmopolite du lieu, permettant à des personnes habitant d'autres quartiers de l'agglomération de s'y retrouver après le travail, après le marché, autour d'un verre. Pour cela, le gabarit large des places de stationnement est essentiel. Redonner un gabarit normal de 2,50 m donnerait à cet espace une allure de parking classique. N'est-il pas possible d'expérimenter des choses afin que d'autres piétons et habitants y trouvent des repères? Un léger recul sur la partie en terrasse afin de donner un repère pour les piétons? Des événements assez ponctuels rassembleurs, inspirés des usages et usagers actuels, pourraient être imaginés. Des tournois de football, courses et concours de vélo, qui occupent déjà la place. Concours de skateboard, profiter de l'eau disponible par exemple. Étant donné le tissu associatif de Saint-Bruno, les idées et organisateurs ne manqueraient pas à l'appel. Un clin d'œil à l'histoire de la place où s'établissait la foire des rameaux jusqu'en 1933. Mais attention, l'espace vit déjà et a son utilité sociale. Les équilibres sont parfois fragiles. Ce qui se joue sur un tel espace est complexe et dépasse parfois les compétences de la simple lecture urbaine. Mais selon moi, si l'on veut conserver l'image d'un quartier cosmopolite, de tels éléments sont à prendre en compte. Diminuer la voiture, restreindre le stationnement, pourquoi pas, mais pour y mettre quoi et qui à la place? Nous l'avons vu, la vie de la place est riche, multiple et mixte en usage. Mais cette mixité s'appuie sur de nombreux petits éléments, et quelques actions sur la place peuvent avoir de conséquences lourdes et non voulues si l'on ne prête pas suffisamment attention à la vie actuelle du site. La connaissance du quotidien de la place est donc pour moi un prérequis. Les trois thématiques abordées dans le film ne révèlent évidemment pas la complexité de la vie quotidienne de la place. Il y a beaucoup d'autres sujets, notamment la nuit, qui est contrairement aux apparences un moment assez calme, mais il y a aussi d'autres espaces, la poste, le bar au bout du parc, la laverie, etc. Ces ellipses sont dues au court temps d'analyse et à la méthode choisie. Il est parfois difficile de filmer dans certains espaces publics, et c'est particulièrement le cas à Saint-Bruno. Mais cette démarche, si elle ne présente pas tout, et si elle n'est pas exhaustive, a pour but, en partant de l'analyse, de poser les questions de l'avenir de la place, sujet controversé au sein des acteurs du quartier. Pour moi, l'avenir de la place doit émaner d'une mise en débat large, et ce film en propose une.